Bonjour, alors dans cette vidéo ce que je voudrais faire c'est reprendre un petit peu ce a, des choses qu'on a déjà vues sur les fractions. Alors bon, pour commencer, ben, je vais te rappeler ce que c'est qu'une fraction, tu sais que c'est tout simplement une division de deux nombres entiers. Donc par exemple 37 sur 29, ça c'est une fraction, voilà, bon, c'est le nombre 37 qu'on divise par 29. Et quand on a une fraction, ben le, le nombre qui est en haut on l'appelle le numérateur, le nombre qui est en bas on l'appelle le dénominateur. Alors il y a une chose qui est importante à remarquer déjà, c'est que si le numérateur est plus grand que le dénominateur, eh bien, en fait on va avoir ici en fait le résultat de cette division, donc cette fraction là, sera un nombre plus grand que 1. Par contre si tu, tu prends une autre fraction, je ne sais pas, celle-là 12 divisé par 31, eh bien là le numérateur, c'est 12, il est plus petit que le dénominateur qui est 31, donc on va avoir ici un nombre plus petit que 1. Voilà, donc ça c'est une première chose. Il y a des fractions qui sont des nombres plus grands, que, plus grands que 1 et des fractions qui sont des nombres plus petits que 1. Alors ça pour, pour préciser ça, hein, celle-là, cette fraction-là est plus grande que 1, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc ça je vais l'écrire comme ça. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. Voilà. Et dans ce cas-là, on dit en fait que cette fraction, c'est une fraction impropre. Fraction impropre. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une fraction impropre bien En fait, c'est parce que si tu fais la division, effectivement, tu vas trouver un nombre qui sera plus grand que 1, donc il va avoir un certain nombre d'unités. Donc en fait, il va avoir des unités et... Des, des chiffres après la virgule, hein, donc des unités et une partie qui sera fractionnaire vraiment. Donc euh, voilà, on appelle ça une fraction impropre parce qu'elle contient quand même un certain nombre d'unités. Alors ici par contre, celle-là, ça c'est une fraction propre. C'est une fraction qu'on appelle propre. Parce que c'est un nombre plus petit que 1, hein, le numérateur. est plus petit que le dénominateur. Donc c'est un nombre plus petit que 1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc en fait, il ne comporte pas de partie, il n'y a pas d'unité dans ce nombre-là. Il n'y a que une partie fraction, hein, une partie fractionnaire. C'est un peu comme si tu faisais une comparaison avec des nombres décimaux. Si tu prends le nombre 2,37... Il a un certain nombre d'unités, il a deux unités, et puis il a une partie qui est décimale, hein, proprement décimale, c'est-à-dire qui est plus petite que 1 et dans laquelle il n'y a pas d'unité. Alors que si tu regardes un autre nombre, par exemple, je ne sais pas, 0,721, celui-là n'a aucune unité, donc il est purement décimal en fait. Il n'a a, qu'une partie après la virgule et pas de partie avant la virgule, donc pas d'unité. Voilà, donc ça c'était juste pour te faire un peu le parallèle avec les, les nombres décimaux. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que donc on a en fait deux types de fractions, les fractions impropres qui sont plus grandes que 1, qui, qui donc ont une partie euh, entière et une partie fractionnaire, et les fractions propres qui sont plus petites que 1 et qui donc n'ont euh, pas de, fra de partie entière. Voilà. Tu sais aussi que quand tu as deux fractions, c'est pas facile, ça peut être difficile de les comparer ou bien de les additionner ou de les soustraire, il faut passer par le même dénominateur, donc parfois c'est un petit peu com plus compliqué. Alors maintenant on va se concentrer sur le cas des fractions impropres, donc les fractions de ce genre-là, où le numérateur est plus grand que le dénominateur, et tu vas voir que ce qui peut être parfois très utile, c'est de, quand on a une fraction impropre, d'aller faire apparaître sa partie entière, donc de regarder combien d'unités elle a. Alors là c'est un petit peu flou, mais bon, je pense que... Tu vas, tu vas, comprendre un peu, un peu mieux maintenant. Bon, déjà, tu as sûrement entendu dire très souvent dans le langage parlé des choses comme deux et demi ou trois et demi ou cinq et demi. Donc, par exemple, deux et demi. Quand on dit deux et demi, deux et demi, qu'est-ce que ça veut dire ça Deux et demi, ça veut dire que j'ai deux unités et puis un demi. Donc, en fait, je peux l'écrire comme ça. 2, c'est 2, J'ai deux unités plus la moitié de un. Hein. Un demi, c'est une moitié. Et en fait, tu vois, quand on dit 2,5, ce qu'on fait, c'est donner d'abord le nombre d'unités. Là, 2, c'est le nombre d'unités. Et puis ensuite, on rajoute une fraction, hein, qui est une fraction propre. Hein. Donc ça, c'est la partie fraction fractionnaire. Hein. Et c'est une fraction propre qu'on a ici, puisque euh, le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc 1,5, ben, c'est plus petit que 1. Voilà. Alors bon, ça c'est très courant, on utilise ça très couramment, 2,5. Et demi, bon, j'imagine que quand tu entends ça, tu sais très bien qu'en fait ce nombre-là, et demi, se situe à mi-chemin entre 2 et 3. Voilà. Alors l'écriture qu'on a mis en avant ici, on appelle ça une écriture fractionnaire. Donc c'est un nombre qu'on appelle souvent comme ça, nombre fractionnaire. Voilà, donc avec une partie entière et une partie euh, fraction propre, une partie fractionnaire qui est une fraction propre. Alors évidemment, quand on a un nombre fractionnaire, on peut le transformer en une fraction impropre, hein, puisque c'est un nombre plus grand que 1, et il suffit de, mettre, de faire cette addition-là, un nombre entier plus cette fraction, et on va pouvoir l'exprimer sous la forme euh, d'une fraction impropre. Alors ben, on va essayer de le faire avec celui-là. Donc, en fait, quand j'écris 2 plus 1 demi... C'est la même chose que d'écrire 2 sur 1, ça c'est 2, 2 divisé par 1, ça fait 2, plus 1 demi. Alors maintenant je vais mettre ces deux fractions au même dénominateur, donc j ai, j ai, en fait je vais prendre le dénominateur 2, donc pour avoir, ici j'ai 1, pour avoir 2, il faut que je multiplie en haut et en bas par 2, donc je vais avoir ici 2 fois 2 sur 1 fois 2, plus 1 demi, et là je ne change rien parce qu'elle est déjà sur 2. Hein. Cette fraction là alors je continue 2 fois 2 ça fait 4 donc j'ai 4 sur 1 fois 2 ça fait 2 donc 4 sur 2 4 demi plus 1 demi alors j'ai 4 demi plus 1 demi ça fait 5 demi voilà et là ce qu'on a c'est une fraction impropre je vais l'écrire ici là on est passé à une fraction impropre impropre donc avec un numérateur plus grand que, plus grand que le dénominateur, donc c'est un nombre plus grand que 1, ce qu'on voit très bien ici. Alors tu vois, voilà, ça c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est ça, on va essayer de passer de l'écriture d'un nombre fractionnaire à son écriture en fraction impropre et aussi dans l'autre sens. Voilà. Je vais prendre par exemple ce nombre fractionnaire-là, 4 plus 2 tiers. Voilà, donc j'ai une partie entière, 4, et puis une partie qui est une fraction propre. Donc une partie fractionnaire qui est 2 tiers. Alors, bon, je vais, comme d'habitude, mettre au même dénominateur. Donc ça, c'est 4, c'est comme si j'avais 4 sur 1. Hein. Voilà, donc si je veux, je vais prendre le dénominateur 3, je vais multiplier ça par 3. 1 fois 3, ça fait 3. Donc en haut, il faut que je multiplie par 3 aussi. Donc je vais avoir 4 fois 3 sur 1 fois 3, plus 2 tiers, 2 sur 3, que je ne change pas. Alors, 4 fois 3, ça fait 12. Ça, c'est le numérateur de cette fraction-là. Et puis en dessous, au dénominateur, j'ai 1 fois 3 qui fait 3. Donc j'ai 12 divisé par 3, 12 tiers plus 2 tiers. Alors là, je peux faire l'addition. Maintenant, 12 tiers plus 2 tiers, en fait, j'ai combien de tiers Tu peux penser comme ça. J'en ai 12 ici plus 2 là. C'est-à-dire qu'en tout, j'en ai 12 plus 2, ça fait 14. Donc j'ai 14 tiers. Voilà. Alors, on va en faire encore un plus compliqué, là, avec des nombres vraiment... Qui vont avoir l'air vraiment difficiles. Par exemple, 6 plus 17 sur 18. Alors là aussi, c'est un nombre fractionnaire, parce qu'on a une partie entière qui est 6, plus une fraction propre, hein, puisque ici, le numérateur, c'est 17, qui est plus petit que le dénominateur, qui est 18. Alors, on va, faire, on va le convertir en fraction impropre. Donc je vais écrire ça, 6, c'est toujours 6 sur 1. Donc je peux l'écrire comme ça comme tout à l'heure. Et donc je vais mettre, je vais prendre comme dénominateur commun 18. Donc ici comme j'ai 1, pour aller jusqu'à 18, il faut que je le multiplie par 18. Donc en haut je fais pareil. Donc je vais avoir au numérateur 6 fois 18 plus la fraction que je ne change pas, la fraction propre, 17 sur 18. Voilà. Alors maintenant je vais calculer le numérateur de la première fraction. Alors euh, 6 fois 18, 6 fois 10, ça fait 60. Et 6 fois 8, ça fait 48. Donc là, j'ai 6 fois 10 plus 6 fois 8, en fait. Ce qui fait donc 60 plus 48, ça fait 108. Si tu veux, tu peux poser l'opération, hein, si tu n'es si tu pas sûr. En dessous, au, au dénominateur, j'ai 1 fois 18, ce qui fait 18. Et plus, donc, j'ajoute la fraction que je n'ai pas changée, 17 sur 18. Alors maintenant j'ai des 18e, hein, là j'ai 108 18e plus 17 18e. En tout j'ai combien de 18e J'en ai 108 ici et 17 là, donc 108 plus 17 ça fait alors 108 plus 10 ça fait 118 plus 7 ça fait 125. Donc ici j'ai 125 18e. 125 18e. Voilà, et là on a terminé puisqu'on est passé d'une écriture en nombre fractionnaire à une écriture sous forme de, de fraction impropre. Alors maintenant, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi ça marche tout ça. Alors on va regarder déjà quand on dit j'ai deux pizzas et un quart. Donc c'est deux plus un quart. Ça le nombre. Alors je vais dessiner mes pizzas. Donc j'en ai deux. En voilà une. Et en voilà une deuxième. Donc ça, ce sont les deux pizzas hein, qui sont notées ici. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai ce quart de pizza hein, qu'il faut que je dessine aussi. Donc ça, c'est pas facile à dessiner un quart. Donc je l'ai préparé un peu à l'avance. Voilà, un quart de pizza, ça, ça ressemble à ça. Alors finalement, là, ce que j'ai, c'est deux pizzas et un quart. Donc deux plus un quart de pizza. Alors si je veux savoir combien de quarts j'ai en tout, là, ce que je peux faire, par exemple, c'est aller découper chaque pizza entière en quarts. Hein. Donc là, je vais faire ça avec la première. Ici, j'ai 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Ça, c'est pizza, une pizza entière. Et je fais pareil avec la deuxième pizza. Voilà. Et là, j'en ai encore 1, 2, 3, 4. Donc, en tout, si je veux savoir combien j'ai de quarts, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai 9 quarts. Alors, ça, ça voudrait dire que quand je fais 2 plus 1 quart, eh bien, ça fait 9 quarts. On va voir si c'est vrai. Enfin, je vais l'écrire ici. Hein. On va voir si c'est vrai avec notre technique qu'on a vue tout à l'heure. Donc je vais mettre ça au même dénominateur. Donc le dénominateur commun ça va être 4. Donc je vais multiplier ce 2 par 4. 2 fois 4 sur 4 plus 1 sur 4. Donc là j'ai 8 quarts, ça c'est la première fraction, plus 1 quart. Ça fait 8 quarts plus 1 quart. Donc j'ai 8 quarts ici et là j'en ai un autre. Donc j'ai en tout 9 quarts. Et tu vois qu'on retrouve exactement la même chose. Donc j'espère que ça, ça t'aura aidé à, à comprendre pourquoi ces techniques marchent. Et en fait, à quoi ça correspond de passer par ces nombres fractionnaires-là. Alors maintenant, on va faire les opérations inverses. C'est-à-dire qu'on va prendre des fractions impropres et on va les décomposer, les écrire sous forme de nombres fractionnaires. Alors on va prendre une fraction. On va se dire par exemple cette fraction-là. 23, une fraction impropre, hein, 23 divisé par 5. 23 cinquième, donc c'est une fraction impropre puisque 23 est plus grand que 5. Alors, en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est l'opération... On va dans le sens inverse. On va essayer de voir la, quelle est la partie entière là-dedans de cette, de cette fraction-là. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder dans 23 combien de fois je peux rentrer 5. Hein. Donc, je vais faire cette division-là. 23 divisé par 5. Donc, déjà, tu peux faire rentrer 4 fois... Euh, le nombre 5 dans 23. Par contre, 5 fois 5, ça sera trop grand, puisque 5 fois 5, ça fait 25. Donc effectivement, ici, je vais mettre un 4, et 4 fois 5, ça fait 20. Et ensuite, je fais cette soustraction. 23 moins 20, ben, ça fait 3. Hein. 3 moins 0, ça fait 3. Et 2 moins 2, ça fait 0. Voilà. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux écrire, en fait, 23, c'est 5 fois 4, plus 3. Hein. Le reste, c'est 3. Donc je vais écrire ça comme ça. 23 sur 5, en fait, c'est... 23, c'est 5 fois 4 plus 3, le tout divisé par 5. Hein. En fait, tu vas voir qu'on fait apparaître comme ça la, la, la partie entière, hein. puisque là, maintenant, je peux écrire que c'est 5 fois 4 sur 5 plus 3 sur 5. Et là, bah, je peux, cette fraction-là, je peux la simplifier, hein. 5, je, je peux simplifier les 5. Donc ça me donne ici exactement 4, 4, 4 sur 1, hein, ça serait, hein, je peux l'écrire comme ça, mais ce n'est pas très utile. Donc je vais 4 divisé par 1, ça fait 4, donc je vais l'écrire directement comme ça. Et puis la, dernière, la fraction qui est là, une fraction propre, hein, 3 sur 5. Voilà. Et là, on a écrit 23 cinquièmes, cette fraction impropre, sous la forme d'un nombre fractionnaire, 4 plus 3 cinquièmes, donc un nombre d'unités plus une fraction propre, plus petite que 1. Alors rapidement, on reprend ce qu'on a fait. On a regardé combien de fois on pouvait rentrer 5 dans 23, donc combien de fois on pouvait rentrer le dénominateur dans le numérateur, et quel reste on avait du coup. Et puis ensuite, on a écrit 23 comme 5 fois 4 plus 3, et ensuite on a pu simplifier la première fraction. Alors on va faire un autre exemple. On va faire 17 sur 8. On va se dire, bon, combien de fois je peux faire rentrer 8 dans, 10, dans 17 ben, Tu peux poser la division de 17 par 8. Hein. Là, c'est 8 fois 2, ça fait 16. Donc ici, si je mets un 2, je vais avoir ici 16. Donc j'ai 17 moins 16, ça fait 1. Et effectivement, ça veut dire que 8 fois 2 plus 1, c'est égal à 17. Et ça, tu aurais pu le faire de tête hein, aussi, parce que 17, donc j'aurais écrit ici 17 sur 8. Donc 17, c'est... 16 plus 1, ça je dois diviser par 8, et puis 16 c'est 8 fois 2, donc ensuite il faut ajouter 1, donc au numérateur j'ai 8 fois 2 plus 1, et je dois diviser tout ça par 8, alors ça me fait 8 fois 2 sur 8 plus 1 sur 8, et là je peux simplifier par 8 ici dans cette fraction, donc j'obtiens 2 plus 1 huitième. Voilà, donc la fraction 17 sur 8, la fraction impropre 17 sur 8, elle est équivalente à 2 plus 1 huitième. C'est 2 et 1 huitième. Bon, alors j'aimerais bien faire d'autres exemples, mais la vidéo est déjà un petit peu longue, donc on va s'arrêter là. Je vais, juste avant de terminer, je vais te montrer un petit peu avec, comme tout à l'heure, en utilisant les pizzas, pourquoi ça marche tout ça, et ce qu'on est en train de faire effectivement. Alors, on va se dire par exemple qu'on a 5 5 demi de pizza. 5 demi de pizza. Donc 5 demi, ça veut vraiment dire 5 moitières. Donc on a 5 moitiés de pizza, alors je vais les prendre. Donc là j'ai une première moitié, une deuxième ici, je vais la mettre là comme ça, une troisième, une quatrième, alors celle-là bon je l'ai juste retournée, hein, c'est exactement c'est une moitié de pizza aussi, hein, c'est la même moitié que les autres, et la voilà je la mets ici. Alors maintenant peut-être que tu vois déjà pourquoi je les ai disposés comme ça, c'est pas innocent. En fait ce qui se passe c'est que là si tu regardes, ben, j'ai une moitié plus une moitié. En fait ça c'est une pizza. Hein. Une pizza. Là j'ai encore une moitié et une moitié. Donc en fait ça se voit, hein. visuellement on voit bien que j'ai re reconstitué la pizza entière. Donc là j'ai une autre pizza. Et puis là j'ai une moitié une moitié de pizza. ça, c'est une moitié de pizza. voilà. donc, en fait, quand je dis, j'ai cinq moitiés de pizza, en fait ça veut exactement dire ça. Hein. donc, j'ai sept pizzas plus sept pizzas. donc, j'ai en fait là, j'ai deux pizzas plus une moitié de pizza. donc, en fait, j'aurais très bien pu dire, j'ai deux pizzas et demi hein. deux pizzas. et une moitié, donc deux pizzas et demi. Et en fait, ça, ça veut dire que j'ai 2 plus 1 demi. Hein. J'ai 2 plus 1 demi. Donc finalement, on voit que 5 demi, c'est demi, exactement la même chose que 2 plus 1 demi. Voilà, bon j'espère que c'est clair tout ça. Dans les prochaines vidéos, on va continuer à travailler avec ce, ces différentes écritures d'une fraction. Et tu vas voir que parfois, c'est très très utile de repasser par ces, ces écritures-là en nombre fractionnaire.